Ouais. Eh ben, je te donnerai tort. Ok, chef. Je te donnerai tort, Ludo. Bonne chance. Bon, boss final. Niveau final, boss final. C'est parti. On y va. Allez, fais-moi chuter ça. Sont plus puissants ici. Mais putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je fasse un détour. Tous les Skylords vont sentir la puissance de mon poids robot-géant Archeon. Oui, alors. J'aimerais ne pas me faire avoir par un sniper, merci. C'est déjà assez humiliant. Mais plus. L'heure de pointe. Allez, dégage. Tiens. Attends, il y a deux snipes. À plate couture. Est-ce que ça marche, ça? Ah, ça marche pas? Ok, faut vraiment une boule. Bon, on va chercher une boule. Je brise tout. Super. Au moins, je suis plus rapide comme ça. Non, mais pas comme ça, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Mais pute... Voilà. Droite, droite. T'arrives pour le dernier niveau, Béa. Au pire, propose au prof de regarder un stream éducatif en gel absol pendant le cours. Si vous regardez des films. Je suis vraiment débile. J'ai foncé dans les pieds joints. C'est l'heure de manger. Mais quoi? Mais je courais dans l'autre sens, ça s'est stoppé. Non mais oh là. Bah, exposé sur l'histoire du Moyen-Âge en gel absolienne. Si tu veux, je fais un stream sur Skyrim. Comme ça, là, tu l'as, ton Moyen-Âge. C'est parfait. Oui, bah justement, je lance Skyrim. Mais les Celtes, c'est Skyrim. Il y a les Nordiques. Les Nordiques Celtes, c'est bien connu. On les connaît tous. Je lance un petit Age of Empire. On y va! Non, ça vous paraît pas un bon plan là? Les Skylanders liés à l'eau sont plus puissants ici. Boum!
Mais il est encore temps de changer de place, mais ah, je vais crever. Sois prêt pour la fusée. Mais... traumatisé par la vidéo, lui de... Allez, tiens. Ah, d'accord. C'est ce que Béa m'a dit, oui. Ah, mais franchement, moi, si tu veux, je peux donner le cours. Alors, les Celtes étaient Celtes. Les Gallo-Romains étaient Romains. Et... je sais dire... c'est dire que les Celtes sont... sont beaux. Ils sont de belles personnes, les Celtes. Physiquement, ils sont magnifiques. J'ai envie de pécho les Celtes. Il me faut un chandon de la terre, donc... Ben voilà. Cordial et giroflet. Mais voilà. Aperçu de l'avenir proche de Skylands, vous êtes présenté par moi, l'empereur Haos. Ah si si, c'est là je donne cours pour l'année entière, si si. Mais attends, je peux prendre le cadeau et me barrer, je prends le cadeau et je me barre. Hein. Sois prêt pour la fusée. Et du coup la leçon de demain, ce sera les toilettes des Gallo-Romains. Différentes formes. Et merci Caillou le Mexicain pour le follow. Bienvenue à toi, Caillou le Mexicain. Joli pseudo. Ah, j'approuve. Oui, c'est intéressant, mais les cours sont pas ouf comparé à ce que j'ai eu en archéo. Oui. En archéo médiéval, encore archéo des rites funéraires. Archéo des rites funéraires. Cool. En tout cas, bienvenue à toi, Caillou le Mexicain. Et bah, installe-toi et profite bien du stream. Allez, ouvre-moi ça. Les Skylanders liés à la tech sont plus puissants ici. Le cours des rites et pratiques funéraires. Mais c'est trop bien. Moi aussi j'aurais voulu avoir ce genre de cours. Les Skylanders liés au feu sont plus puissants. Ah, les Skylanders liés au feu. Ah! D'âge de bronze à l'école pour médiévale. Mais en toi, tout ce qui est rite funéraire, ça, je trouve ça giga intéressant. Parce qu'en fait, il y a énormément de pratiques que je connais pas forcément. Et concrètement, je trouve ça très intéressant d'avoir un, de connaître un peu les cultures d'autres pays. Vous savez que les éléphants, par exemple. La transition, c'est n'importe quoi. Mais vous savez que les éléphants étaient les seuls à faire des enterrements aussi, enfin en tout cas à avoir des rites de mort, etc. chez les animaux. Oh oui, je veux faire ça, Ludo. Je veux faire ça, Ludo.
Ouais, d'ailleurs, les gens du parc média, vous savez que les éléphants... Je vais t'avoir à l'œil. Vous me laissez un chat, les sarcophages apparaissent. Les sarcophages, ah, l'Égypte. Encore gagné. Écoutez-moi, citoyen robot d'Arcus. Mais j'en ai marre de devoir passer dans des portes, là. J'ai retrouvé Spyro. Je m'enflamme. Des sarcophages en pierre en France. En France. Bah bon anniversaire, celui qui a... Combien? Vous paraissez un peu condescendant, monsieur démon, là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, monsieur démon. Non. Non, il n'y a pas... Le cours est annulé. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui donne cours à sa place. Voilà, j'ai été agréé comme professeur par Twitch. Je suis professeur des écoles. Bientôt, je serai votre nouveau professeur principal. Ce sera moi qui vous donnerai les cours. Je vous donnerai des cours comment choisir son Skylanders. Alors déjà, il faut se rendre dans une boutique où il y a des Skylanders qui n'existent plus. Donc fin du cours. Et sinon, pour l'examen... j'ai décidé de mettre ce chapeau. De Rasta à ce Pyro. Mes cornes dépassent. C'est possible. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend. J'étais sûr de réussir. Eh bien écoutez, peut-être juste que l'éducation nationale a su reconnaître mon talent de... Mon talent de professeur. Parce que je suis éminent. Je suis son éminence professeur. On me surnomme professeur Letton dans le milieu. Et pas au centre, hein, vraiment dans le milieu. Pas gauche, pas droite, le milieu. Alors, il y a une différence, monsieur démon, entre reconnaître la compétence d'un professeur, comme mon éminence moi-même, et être désespéré. J'espère que vous la comprendrez ardument. Pourquoi est-ce que j'ai un accent de Marseille quand je parle de ça? Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Et je te vois à connexion. Il ne faut jamais se battre contre le dragon. Alors, effectivement, c'est pas forcément intéressant de se battre contre un dragon. Vous risquez de perdre. Tu vas me dire de jouer au Skystone contre toi pour me casser les couilles, c'est ça ? C'est ça. C'est parfait. Général Grenade. Bah ouais. Chompilote, bah ok. 9000. Comment ça, Dimon est meilleur professeur ? Comment pouvez-vous dire que Dimon est un meilleur professeur que... Que moi-même son éminence le professeur. Parce que je suis le nouveau professeur. Et je viens professionnaliser le professionnalisme du professeur. Brasseur de feu.
Vous me le dites, hein, quand vous en avez marre. Des rifteurs. Je comprendrai, hein. Vous en faites pas, je comprendrai. Dragonnet. Le dragonnet. H exécuteur. Ah tu oh, parfait, du coup. Parfait, merci. Je veux juste le jeton, maintenant dégage. Alors, théorie du complot. Non. Enfin, je peux, hein, mais... Théorie du complot. Brûlez. Sur le bûcher. Sur le bûcher. Oh, ça faisait si longtemps. Ah, j'avoue, ça faisait si longtemps, en vrai. En vrai. Le bûcher. Oui. Non. D'accord. Ouais, ok, parfait. Non, mais ne vous... Oh non, mais j'aime pas les lames. J'aime pas les lames, ça coupe. Oui, c'est le moment d'y aller. Et merci Papa Ours dans le milieu pour le follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Ours dans le milieu. Ça fait plaisir. Je savais qu'un beau jour ça, vous reviendriez. Je le savais au plus profond de mon être. C'est un honneur. Ne jamais renoncer. Non. Descends. Voilà, parfait. Ce jour sera désormais connu sous le nom de jour de chaos. Non, mais il y a combien de jours de chaos? Il y en a beaucoup trop mille. Les pirates qui ont ouvert la fête foraine du Coupe-Gorge ont commis de nombreuses erreurs. Ils ont surestimé leur popularité, ils ont vendu des sodas à l'eau salée, ils ont appelé leur fête foraine Coupe-Gorge. Mais avant tout, ils ont eu tort de croire que les clients paieraient pour être enfermés et pour servir de cible à un canon. Cela dit, ceux qui se sont enfuis ont laissé des biens précieux derrière eux. Mais c'est complètement con. Ok, maintenant. Ah, les lames, c'est... What ta 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 ta. Arrête-toi. Bon, Auric. Ah, mais c'est bon, c'est maintenant. Du soda salé, je... Voilà qui est parlé. Ah oui. Oh, la meilleure pièce de Skystone. Bon. Bah, c'est le moment. Regarde, c'est moi, Chaos. Et comme tu peux voir, je suis formidable. Bien sûr, j'ai toujours été formidable, mais maintenant que j'ai le poids d'Arcus et que j'ai pris la forme du plus grand et des plus puissants robots jamais vus, je suis suprêmement formidable. Et donc, tu ferais bien de commencer à courir. Oui, alors, Hey, regarde ici, toi. Oui, alors non. Non, je me casse, merci. Mais d'où il court, ce bâtard? Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas. On est où? Attends, il y avait des tapis roulants. C'est con, ça. Voilà, fin du jeu. Ça vous a plu, j'espère. C'est fini.
C'est fini. Non, bah non, évidemment que non. Parce que tu as découvert mon bouton rouge d'avalanche secret. Mais moi aussi, je sais appuyer sur des boutons. Maintenant, tu es pris au piège, Skyrapper. Et ni Léon, ni aucun autre de tes imbéciles d'amis ne pourra te sauver. Pourquoi tu ne t'en prends pas à quelqu'un de ta taille? Et pef! Retournement de situation! Si calcule, il est techniquement plus gros que nous. Eh bien, au moins ce n'est pas trop loin, non? Quoi? Tu oses me défier, moi, robot Chaos? Tu n'as pas compris à quel point j'étais formidable tout à l'heure? Oh, je crois que je n'ai pas tout bien compris. Oh, tu viens de faire une grosse erreur. Peu importe. Tu veux jouer à... Ah non, vous le dites passer, c'est pas très efficace, non. Je vais invoquer mes sbires robots. Arkeia! Point d'Arcus, protège-moi de cet imbécile! Oui, bah oui, merci. C'est ça. Continue de perdre, idiot. Continue d'inverser le point. Mais je fais quoi, là? C'est ça. On dirait que c'est le moment parfait pour me vanter de ma puissance. Moi, je me vends. Continue d'inverser le point. Mais j'essaie juste de survivre aussi, là, concrètement. Oh, maintenant. Oui, parfait. Non! Je suis mort. C'est pas grave. Toi là. Toi, je sais que tu peux le faire. C'est la pêche! Attention aux arcaniens. Tu n'as pas vraiment aimé ça, hein? Eh bien, tu ne vas pas aimer ça non plus. Quoi, ça déjà? Tu te vois, mais je vais venir pour toi. Ah oui, c'est vrai que la première fois ce combat, je pensais que ça, on pouvait pas le toucher. Alors qu'en vrai, tu peux le détruire, je crois. Oh, de la santé, du soin. D'huile. Ah, voilà. Coup dur. T'inquiète, je fais quoi là, tu crois? Je me bats. Je fais mon possible. Je donne tout ce que j'ai. Ah, bon bah... Je suis mort, c'est pas grave. C'est pas grave. Aveuglante lumière. Continue à viser le point. Je ne fais que viser le point. Attention, ça fait bien. Continue à viser le point. Oh oui, paf. Oh, ça a tué tout le monde. Ah non, ça a tué personne en fait. Non, barre-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne crois pas. Et tant que les choses changent. Je ne connais pas cette expression. Moi non. Allez! Oh, je vois. Maintenant, Skylander attaque sa tête. Non! C'est pas grave, on va prendre pied. La guêpe, vite, la guêpe.
ça va tarder. Toi, c'est parfait. Toi, c'est parfait. Tu vas me tuer, Chaos. D'accord ? Tu vas me le terminer. Je t'en donne l'ordre. Mais je ne fais que ça. Je t'en donne l'arbre. C'est ça. Non. Oui. Oui. On dirait bien que le Minus se fait la malle. Oui, mais ça m'étonnerait qu'il aille très loin. Bravo ! Demi-tour ! Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Maître, je pense qu'il est en train de se désactiver, comme les autres robots. Ne sois pas ridicule, Gloomshanks ! Robot, obéis-moi ! Trois ? C'est ça ! Tous les trois, il faut qu'on fasse demi-tour pour récupérer mon poids de fer. Deux ? Oui, demi-tour. Je viens de le dire. Qu'est-ce qui cloche chez toi, robot ? Je ne le répéterai pas. Arrête de poser des questions. Ça a été un plaisir de vous servir, Empereur Chaos. Tous les systèmes sont désactivés. Maintenant. J'avais oublié le coup des trucs, les trucs d'avion d'atterrissage là. Eh bien, Kali, je des génies. Crois que les Skylands sont sauvés. Grâce à moi. Et les Skylanders ? Non, c'est vrai, ils m'ont aidé. Qu'est-il arrivé à Chaos d'après toi ? Oh, je suis sûr qu'il a retenu la leçon. Il ne faut jamais se frotter au plus courageux, au plus beau, au plus charmant. Et ce que j'ai déjà dit, le plus beau ? Des pilotes des Skylands. Et tu sais ce qu'il manque à tout ça, Kali ? Non. Oh oui, je savais. Mais tu vas me le dire. En effet, tu ferais mieux de te tenir à quelque chose. C'est parti. Et le boom final ! Bravo, maître du portail. Grâce à toi, la légion des machines de guerre Archéan a disparu. Et le point d'acier d'Arcus est à jamais perdu. Quant à Chaos, je crois qu'il a eu ce qu'il méritait. Les Skylands sont saufs, pour le moment. Mais j'ai le sentiment que de nouvelles aventures t'attendent. Ton périple avec tes Skylanders et tes géants ne fait que commencer. Ouais, je pense, ouais.
Bah en fait, il y a peut-être 4 jeux après. Donc... Peut-être qu'effectivement... ça fait que commencer. Mais voilà, on aura terminé le jeu. Non mais si content. En fait. Boum. C'est ça, c'est ça. Oui, alors non. Alors non. Et mesdames, messieurs, teaser pour le swap force. Ça aurait pu mieux se passer. Qu'on va pas commencer tout de suite, à mon avis. Il me reste au moins 37 plans de conquête des Skylands. Ils sont tous plus diaboliques les uns que les autres. Seigneur Chaos, est-ce bien qui je crois? Oh oh. Donc voilà. Teaser pour le Swap Force qu'on fera pas tout de suite. On fera sûrement pas tout de suite. On va d'abord attendre une semaine ou deux avant de commencer Swap Force. Ou peut-être que je dîne à la merde et que je le commence la semaine prochaine. Mais j'ai pas envie de commencer ça cette semaine déjà. Semaine prochaine ou dans deux semaines, on commencera Swap Force. Je devrais peut-être passer à autre chose. Devenir modeste. Ravi de l'entendre. Même si Chaos est vaincu, les Skylanders ont encore des choses à faire. Mais comme j'ai dit, demain, par exemple. On va finir par un débrief. On collectionne toutes les améliorations. Ou détruire tous les nuages. Les Skylands sont pleins de secrets. Les secrets, c'est amusant. Dans ce cas, autant maintenir le cap, pas vrai? Ça va faire boum! Je le sens.